quand j'ai commencé, moi, à faire... à dessiner du Alain Jacobs hein, pour la pub, il m'a donné une leçon de dessin, en fait, quand j'ai fait ses pubs, c'est que je voyais le côté absolument classique et le côté équilibré, bien, des proportions, des choses comme ça. Ce qui était dur à ingérer, disons, c'était cette façon tellement théâtrale et exagérée qu'il avait de faire bouger les personnages. Je veux dire, ils ont c'est toujours basculé si la tête est comme ça, les pauvres être comme ça. Et c'est sûr que c'était son naturel à lui, c'est pas le mien. Et en même temps, on pouvait pas s'en passer. On peut pas faire Blake et Mortimer en oubliant ça. Je trace les cases sans chercher ce qu'il y a dans chaque dessin. Je le sais ce qu'il doit y avoir, mais sans chercher. Parce que la géométrie des cases comme ça, elle, je trouve qu'elle est importante. Elle a... Et bon, après, je commence à esquisser, puis je vois si ça colle dedans. Il y a des gens qui font le contraire, des gens qui font le dessin, puis après, ils le cadrent comme ça. Moi, je trace un premier jet comme ça du volume des cases et de leur disposition dans la page, sans faire la moindre esquisse. Les dernières planches que j'ai fait, ce gros plan, c'est un personnage qui est en train de passer un message à la radio. Il a dessiné ça en espadon. Hein. Je ne l'ai pas regardé pour le faire. Il y a quelqu'un chez Dargaud qui nous a fait un beau compliment quand même. Il a dit c'est pas du Jacobs, mais c'est bien du Blake et Mortimer. On sent qu'on se le répète. Je crois que la différence entre sa façon de travailler et la nôtre, c'est que lui, il élabore à la fois le texte et l'image, et nous, on est obligés, vu qu'on est deux, de séparer les choses. Et je pense que lui, commencer par quelque chose comme ça, enfin, d'après, en théorie, hein, c'est deux fois cette même étape d'une esquisse petit format, vu en format parution, et puis il la reprenait sur
ce grandeur de l'original, il reportait sur calque. Moi, je ne dessine pas sur calque, je déteste ça. Et il le reportait sur la page définitive qu'il ancrait après. C'était vraiment propre à lui. Et je trouve qu'il était très fort pour les noirs. Et j'ai toujours du mal à placer les noirs. J'en mets moins que lui. Mais c'est vrai, en même temps, je vois une lumière, mais souvent, je n'ose pas la transcrire en noir. Donc, je pense qu'elle va venir dans la couleur. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est plus la lumière pour l'ambiance que la couleur en soi. Ça, c'est pas fini. Et j'en suis là.